Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Alors, je vous avoue que ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. Vous en êtes peut-être pas trop rendu compte, mais je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps avec la rentrée des classes, etc. Mais aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans une vidéo scrapbooking où je vais vous montrer la fin de mon album. Mais avant ça, je voulais vous parler de ce rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres qui est trop joli. C'est le fameux NYX Lingerie, le numéro 10 Teddy Ourson, qui est un rouge à lèvres liquide mat, je pense, hein, sans transfert. En tout cas, il est super beau. Je sais pas du tout ce que vous allez en penser, mais je le trouve trop craquant. Bref, ça c'était la parenthèse rouge à lèvres. Hein, j'aime bien vous faire ça de temps en temps. Je voulais vous parler de mon album pour ma fille. Si vous suivez un petit peu mes vidéos scrapbooking, effectivement, je fais beaucoup de haul scrapbooking, mais pas beaucoup de vidéos réalisation, puisque avec ma caméra, c'est pas pratique en fait de vous montrer mes réalisations en direct live. J'y arrive pas. J'arrive pas à trouver une installation correcte, etc. Donc bon, voilà. Je vais vous montrer, en fait, je vous avais montré une première partie de mon album dans une première vidéo, une deuxième partie dans une deuxième vidéo, et là je vais vous montrer la troisième partie et la fin, puisque j'ai tout fini mon album et ça se voit. Alors, vous me demandez souvent d'où vient cet album, il vient de chez Emma, c'est un des plus gros albums que vous trouvez chez Emma, et coûte 8 €, ce qui reste très raisonnable pour un album d'une très bonne qualité. J'aime beaucoup le fait qu'ici ce soit à lacets. Du coup, vous pouvez l'écarter selon la taille de vos pages, ça s'abîme pas, ça a bien tenu. Voilà, ça a bien tenu au niveau des réalisations, et ça s'est pas abîmé, alors que pourtant j'ai pas mal regardé avec les amis, la famille, etc. Je vais de ce pas cacher le visage de ma fille, puisque je vous ai déjà expliqué que je voulais pas montrer ma fille sur YouTube, mais là le but de cette vidéo c'est de vous montrer les réalisations en scrap. J'espère en tout cas que mes réalisations vous plairont. Je vous avoue que je trouve que je me suis beaucoup améliorée par rapport à mes premières réalisations, si vous regardez ma première vidéo, et celle-ci, je pense que vous verrez une grosse différence. Et oui, j'achète beaucoup de choses pour le scrap, mais j'ai beaucoup utilisé pour finir cet album. Il faut avouer que là, mon album, je pense que j'ai fait une bonne grosse moitié en un mois, parce qu'il fallait absolument que je finisse. Je voulais que ça arrive au 1 an de ma fille. Donc là, c'est vraiment de la naissance au 1 an de ma fille, c'est l'album voilà, de sa première année. Et puis après, maintenant, je vais faire du Project Life avec juste les moments importants, le petit moment de vie. Voilà. Sachez aussi que pour les dernières pages, c'est les pages de son anniversaire, j'ai utilisé quelques réalisations que vous m'avez envoyées lors du concours que j'avais organisé pour ma fille. Vous aviez envoyé quelques réalisations et je les ai utilisées pour les insérer dedans. Alors j'ai dû à certains moments les modifier, les couper. Mais j'ai gardé l'esprit de votre réalisation pour les mettre à l'intérieur de l'album. Je vous laisse regarder ça. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé en commentaire, vos avis, des pouces en l'air si vous voulez d'autres vidéos scrapbooking ou des vidéos Project Life, puisque c'est vraiment maintenant je devrais me tourner plus vers le Project Life. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse avec la vidéo. Alors voici les pages suivantes par rapport à mes autres vidéos. Donc là j'avais fait la page où c'était son premier repas, donc je suis pas hyper fan de cette page, mais comme je vous dis, à chaque fois j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure. Elle mangeait sa première purée de carottes, donc voilà, j'avais mis un petit sticker carotte, le mot bon appétit que j'avais reçu dans un petit colis de ma petite Vanessa, là des petites étoiles que j'avais achetées chez les audios, j'avais fait des tamponnages sur le fond, mais bon, je suis pas hyper fan de cette page, elle est pas extraordinaire. Sur la page suivante, en revanche, celle-ci, je l'adore. C'est une jolie page que j'ai faite parce qu'on avait fait une séance photo pour ma fille chez la photographe. Et du coup, là, j'avais mis donc photo. C'est ma fille donc dans un petit panier trop mignon. Une petite carte de Project Life, de la dentelle. Et là, enfin voilà, le cadre, il était trop mignon où elle avait été prise en photo. J'ai rajouté, voilà, c'est tout dans les tons gris, noir, blanc. J'adore les petites découpes comme ça en forme de. Un peu forme géométrique comme ça, super mignon. Ça, c'est Jennifer qui me l'avait envoyé. Jennifer de la chaîne Jennifer Passion maintenant. Celle-ci, alors, c'est une photo de moi avec ma fille, et ma maman et ma fille. Et du coup, j'avais envie de faire un peu rouge et gold. Donc voilà, j'avais utilisé les pages de chez Action, là, où vous pouvez mettre de l'aquarelle dessus, mais moi, je n'ai pas mis d'aquarelle. Voilà. Ça, c'est une découpe que Mélanie de la chaîne Happy Together 17 m'avait donnée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page aussi. Petit détail, petite gold là, j'aime bien.
Là, vous allez arriver sur les pages sur la baby shower, parce que j'ai fait une baby shower, mais après la naissance, pas avant. Parce que bah, avant la naissance, on sait jamais. Hein. Et du coup, bah, je préférais la faire après. Genre, ma fille, elle avait à peu près 3 mois. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, d'ailleurs. Donc, vous aviez toute la déco de la baby shower dans une vidéo. Donc là, j'ai mis shower, bah, baby en haut. J'ai dû remettre la date ici, c'était le 3 juin 2016. Une petite photo de ma fille pendant cette baby shower. Et puis, bah, des petits napperons, des petits détails. Et ça, c'est un truc qui était sur un cadeau d'anniversaire de ma fille. Et du coup, je l'ai récupéré. Je trouve ça trop, trop joli dans une carte, là, comme ça. C'est super sympa. Ensuite, ici, toujours la baby shower. Donc, c'est très girly, très rose. Hein, faut pas vous inquiéter. Voilà. C'était, enfin, des fois j'aime bien faire des trucs roses, des fois je change. Donc là, vous avez des cartes de Project Life que j'ai reçues du site Dans mes pochettes, que j'aime beaucoup. Hein, c'est des jolies cartes. La gamme, je m'en rappelle plus, mais je crois que c'est Baby Girl. Là, toujours des petits mots. Là, vous avez la déco avec moi et ma fille. Des petites plumes que j'avais reçues par Vanessa. Ça, c'est des petites choses que vous trouvez chez Action. Donc là, il n'y a pas beaucoup de tamponnage, c'est plus du collage. Ici, encore du rose, toujours baby shower. Là, c'était une photo de moi avec toutes mes copines, avec ma fille dans leurs bras. Donc, voilà, ma fille ici est entourée de plein de petites paillettes. Des petits tamponnages, des petits stickers 3D, la déco. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai offert aux personnes qui sont venues avant de partir. Donc, voilà le rendu. Là, c'est une photo de ma maman avec moi et ma fille. On était habillées toutes les trois en marinière, donc c'est pour ça, c'est une petite photo souvenir. Et j'ai fait un petit fond assez simple. J'ai utilisé le fond noir du coup de mes pages, des cartes gold de Project Life, une découpe de Mélanie et des papillons, bien sûr, hein, des papillons. N'oublions pas la petite touch papillon et encore ces petites découpes. Là, d'ailleurs, j'en ai plus de Jennifer que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Celle-ci, elle est plus verdoyante. C'était le printemps. Petite sortie balade au jardin, au parc, etc. Donc j'aime beaucoup ce petit sticker, ça. D'ailleurs, c'est Jennifer aussi qui me l'a donné. Ces petites découpes qui viennent de Adeline, de la chaîne Adeline le Scrap. Ça, je l'ai acheté à Action. Ça, c'est Mélanie, je crois. Non, c'est Adeline aussi qui me les a donnés. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette page. Elle est très, très jolie, très raffinée, je trouve. Qui donne tout à fait l'ambiance jardin, quoi. Balade. Ça, c'est une ambiance un peu plus estivale. Donc là, on est arrivé sur le mois de juillet-août, où on est parti en vacances à Marseille. Donc c'est ma fille en train de faire un peu, pas bronzette, puisqu'on la mettait pas au soleil, mais voilà, qui était en train d'être allongée tranquillement, qui se reposait. Voilà, les petites décos viennent des collections en ce moment, je crois, de chez Toga. J'aime beaucoup. Là, vous n'aurez pas de visage caché puisqu'il n'y a pas ma fille. Ce sont les paysages et moi et Papounet. Hein. Toujours à Marseille. Des cartes de Project Life, des stickers que Mélanie m'a offert. Et ça, c'est une découpe que Mélanie m'a offert, oui. Qui est vraiment trop, trop jolie. Je trouve que ça donne une petite touche trop, trop sympa. Là, toujours en vacances à Marseille. Là, c'est plus ce style un peu Project Life, où j'avais envie de faire quelque chose de très géométrique. Donc, j'ai utilisé, je crois que ça vient de chez Gaza, pardon. Ça aussi, je pense. Et ça, c'est des cartes de Project Life. Et ça aussi, ça vient de chez Casa. Donc, il y a écrit Smile. L'appareil photo, elle est trop, trop jolie, je trouve. Toujours un peu ambiance estivale, balade, papillon, tout ça. Le petit blanc, c'est Mélanie qui a le dies pour les découpes. Et je crois que le mot balade aussi, c'est Mélanie qui l'a en découpe. Donc, je l'ai fait chez elle. Le petit papillon que vous m'avez bien envoyé. J'ai eu beaucoup de papillons que vous m'avez envoyé. Donc, c'est juste trop, trop sympa. Donc j'aime beaucoup cette page aussi. En fait là je trouve que plus ça allait, plus j'aimais les pages en fait parce que je devais m'éclater en les faisant. Mais je les aime beaucoup, elles sont estivales, elles sont sympas. Tout pareil, c'est l'été toujours à Marseille. Donc la petite photo avec Papounet, Hello Sunshine, adorable. Vous avez pas mal de petits détails comme ça. J'ai pas fait beaucoup beaucoup de tamponnage mais je vous avoue que bah, j'aime bien aussi quand il n'y en a pas forcément. Donc là, on est toujours... là, c'est plus ambiance jouet. Ma fille qui joue avec ses petits doudous.
Donc, You Make Me Happy, des petits Mon bébé d'amour, donc des petits stickers 3D, pause bonheur, parce qu'elle faisait sa petite sieste, hein, donc c'est une petite pause quand même sympa. Donc voilà, très plus enfantine là. Et là, c'était ma fille qui était habillée tout en blanc et en rose. Du coup, j'avais envie de faire une page sur les mêmes couleurs un petit peu. D'ailleurs, ça, c'est une carte que j'ai eue de Project Life que j'ai achetée il n'y a pas très très longtemps. Donc, vous le retrouvez sûrement dans un haul il n'y a pas très très longtemps. Du gold, là, hein, je commence à être dans ma phase gold. Donc, du washi tape. Quand je fais cette vidéo, j'ai l'impression de faire un marathon. Là, ça arrive aux périodes de Noël, donc à peu près novembre. Elle a fait Noël avec sa nounou et elle a rencontré le Père Noël. Du coup, oui, c'était fin novembre. Et du coup, bah, j'avais envie de faire une petite page, voilà, souvenir de mon Noël avec du gold, des petits stickers de Noël. D'ailleurs, celui-là, il vient de chez Kazaa dans la collection Noël. Donc bien sûr, c'est trop rigolo. Bah, si vous, ma fille, elle dormait en fait, puisqu'elle s'était endormie genre 5 minutes avant que le Père Noël arrive. Donc bah, elle l'a même pas vraiment rencontré, mais bon, c'est pas grave. Toujours Noël. Là, c'était ses premiers cadeaux de Noël. Là, avec ma maman, elle ouvre un gros, gros, gros cadeau énorme. Et là, c'était son cadeau de la part de ma mamie, donc de sa arrière-mamie, son arrière-grand-mère. Donc toujours un peu ambiance Noël. Je suis pas fan des pages de Noël, mais j'ai essayé de faire simple. Toujours une page de Noël avec des photos que nous on a fait ensemble. Donc elle était habillée un petit peu en lutin. D'ailleurs, c'est Amandine de la chaîne Mandy's Bulle ou Happy. Je sais plus exactement sa chaîne maintenant, mais avant c'était Mandy's Bulle. Du coup, bah, elle lui avait offert ce petit body. Et on s'en est beaucoup servi aux périodes de Noël parce que ça a été trop mignonne dedans. Donc le fond vient de chez Zodio, la page fond. Puis après, les découpes viennent de chez Kazaa, Toga. Ça vient de chez Noz. Donc bon, j'ai pris un peu de partout, hein. Cette page-là était au jour de l'an en fait, donc c'était avec tous nos amis, dont le parrain et la marraine de Kayla. Donc et là il y a Kayla qui l'a. C'était le jour vraiment le 1er janvier. On avait fait la fête juste avant. On était vraiment on a une tête de fatigué, hein, mais surtout moi. Mais bon, je la trouvais super sympa cette photo et je trouvais sympa de faire une page aussi parce que Kayla elle avait tenu le coup. Elle avait fait la fête jusqu'à 3 h du matin. Donc bon, c'est une coquine. Il voulait pas dormir. Voici une autre page encore de Kayla en train de jouer avec ses jouets. Et c'est ses premiers pas. Donc elle a, là, ça devait être en février. Mars, oui, ça devait être ça. Mars, elle a fait ses premiers pas, elle a commencé à se lever. Elle avait d'ailleurs ses nouvelles chaussures, là, Jacadi. Ses toutes premières chaussures. Donc voilà, petite page souvenir de ses premiers pas, de ses premières chaussures. Elle a été toute l'année bébé nageur dans notre ville, donc fallait que je fasse une page sur ça quand même. Et là, j'aime beaucoup cette page, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette carte de Project Life là. Et j'aime beaucoup toujours les petites découpes comme ça, un peu géométriques, je trouve ça trop trop mignon. Donc là, c'est avec le papounet, et en fait, ils sont ici dans la piscine. Hein. Bon, vous verrez pas grand-chose, mais je trouvais ça marrant de se mettre un peu dans l'ambiance de la piscine. Une page très girly, c'est Kayla avec un petit tutu que Amandine de la chaîne Mandy's Bulle toujours lui avait offert. Donc du coup j'avais envie de faire une page très girly, très fille, avec des fées, des tutus, des fleurs, des appareils photo, Little Princess, enfin voilà, un truc vraiment très girly. Je trouve ça trop trop joli. Alors, cette page-là, elle est un peu plus simple. C'est en fait une photo qui a été découpée grâce à Mélanie en forme de puzzle. Ça rend super bien. Et du coup, bah, j'avais envie de mettre. Voilà, j'étais dans le rose. Hein. C'était une phase où j'étais dans le rose, hein, ça se voit. Et j'aime beaucoup faire des réalisations roses. Donc, voilà. Avec un grand tamponnage que j'ai reçu de Vanessa, qui m'avait fait plein de tamponnages comme ça, super jolis. Donc, j'essaye de les utiliser avec parcimonie dans mes créations. Mais ils rendent vraiment très, très bien. Petite page encore simple avec la galette des rois où ma fille avait fait sa petite couronne avec la nounou ici. Donc bah voilà, une page assez simple. Mais mignonne. D'ailleurs, ça c'est les washi tape de chez Action qui sont plutôt pas mal hein, pour faire des petits effets. Et cette collection là de, je crois c'est Carpe Diem de Simple Story, je crois, est trop trop mignonne hein, cette collection. Des trucs trop jolis. Là, c'est ambiance jeu, enfantin. Donc, j'ai mis des petits papillons et puis après des petits stickers 3D où bah, il y a des petits jouets et tout ça parce qu'elle était dans son bac où il y avait tous ses jouets à l'époque.
Et bon, bah voilà, du coup, elle est en train de s'amuser à jouer de la trompette, etc. Donc, je trouve ça trop mignon de faire une petite page sur ça. Et là, c'était chez mon frère. Elle était en train de jouer avec des choses de chez Disney. Donc, un espèce de truc qui tourne et qui fait de la lumière de chez Disney. Et le chapeau Disney pour les 20 ans de Disney, ou je sais plus, un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai mis une petite découpe que vous m'aviez envoyée. Je sais plus exactement qui m'avait envoyé cette découpe en forme de tête de Minnie. Ça aussi, on me l'a envoyé. Je pense que ça, c'est Adeline qui me l'a envoyé. Ça, c'est moi qui l'ai fait avec mon nouveau dies. Donc, voilà. Petite page sympathique aussi, un peu style Disney, mais sans en faire trop. Là, c'était, on arrive à ses 12 mois, donc son anniversaire, avec papa-maman, sa première bougie. Donc, ça, c'est moi qui ai fait une page assez simple, mais voilà, je voulais une page assez girly, mais simple. D'ailleurs, ça, c'est un papier que j'ai chez Zodio, qui est très très beau. Encore son anniversaire. Là, c'est une page que vous avez fait, que une de vous m'avait envoyée pour le concours. Donc voilà, je l'ai un petit peu rapetissie pour la réussir à la rentrer dans mon album et j'ai gardé les éléments importants. Et voilà, ça rend super sympa. C'est vraiment sympa d'avoir des pages à vous aussi à l'intérieur parce que voilà, c'est votre petite touche vu que vous m'avez accompagnée pendant cette année à travers mes albums, mes hauls, mes toutes mes réalisations, etc. J'ai pensé à vous, donc bah, voilà. Celle-ci aussi, c'est une page que vous m'avez envoyée. Je peux plus vous redire les noms parce que j'ai reçu tellement de choses que je me souviens plus. Mais pareil, c'est une page. J'ai dû modifier un petit peu la taille, mais j'ai gardé les éléments importants. J'ai rajouté quelques petites choses aussi. Donc là, c'est la déco de l'anniversaire de Kayla, qui ressemble un peu à la déco de sa baby shower, hein, j'avoue. J'ai réutilisé. Le gâteau de son anniversaire. Donc j'ai fait une page spéciale avec des cartes de chez Jiffy. Pareil, les découpes et tout ça de chez Casa. De chez Jiffy. Ça aussi, c'est les die-cuts de chez Jiffy. Donc, ils sont trop trop beaux. Très ambiance rose et violet. Une page que cette fois-ci, j'ai réalisée toute seule. Hein, parce que bah, j'avais envie d'utiliser ce sublime die-cut que... Oui, die-cut que vous, Christine m'a envoyé, donc j'étais super contente de l'utiliser. Ça, c'est le petit tag que j'ai donné avec les cadeaux pour les invités le jour de l'anniversaire, donc avec une petite boîte de bonbons. Donc voilà, le papier est embossé derrière, vous voyez. Des petits papillons. Bon, voilà, elle est assez simple. Hein. Ça, c'est encore une page que vous m'avez envoyée. J'ai rajouté juste des petites écritures et des petits papillons, mais sinon j'ai gardé la page en elle-même. N'hésitez pas à me dire si vous reconnaissez vos pages en barre d'infos, si ça vous plaît quand même comme ça, de savoir quelles sont dans les albums, dans l'album de Kayla. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et pour finir, la dernière page, qui est aussi une page que vous m'avez envoyée. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme je disais, voilà, cet album est fini.